Un an à peine après son départ de l'Élysée, François Hollande semble plus que jamais regretter sa vie de chef d'État. Dernier indicateur en date, le voyage qu'effectuera l'ancien président français en Chine le vendredi 25 mai prochain. Au cours de cette visite de 5 jours, il rencontrera le président Xi Jinping à Pékin, d'après les informations de l'entourage de François Hollande et du ministère chinois des Affaires étrangères. L'ancien chef de l'État se rendra aussi à Tianjin, où il visitera notamment la chaîne d'assemblage finale de l'entreprise Airbus. Vendredi, l'ex-locataire de l'Élysée donnera une conférence à l'université de Pékin sur la construction européenne et la géopolitique. Le même jour, il devrait également dîner avec Xi Jinping, à qui il offrira son dernier livre, « Les leçons du pouvoir ». Enfin, toujours dans ses habits de chef d'État à la retraite, François Hollande ira samedi à la rencontre de la communauté française de Shanghai et visitera plusieurs bâtiments artistiques. Une visite très complète de l'ancien patron socialiste qui rappelle ses nombreux voyages dans d'autres pays, effectués depuis son départ de l'Élysée. Reste à savoir si l'actuel locataire du palais présidentiel apprécie les initiatives de son prédécesseur.